Bonjour à tous les amis, ici Yanemu du Malheur, Yanemu le Ruiné, Yanemu le Fauché pour vous servir. Bienvenue sur ce troisième épisode de Mad Game Tycoon, oh yeah. Où c'est qu'on est dans la... Oh, mon sauveur, Où c'est qu'on est, mais qu'on est quand même hein, dans la mouise la plus totale avec 1,5 million de crédits. Nos jeux qui se vendent absolument pas. Ah ça il me le faut les gars. Y a-t-il des contrats en vue? Non, y a pas de contrats en vue, les gars. On est mal, quoi. On est mal barré, on est très très mal barré. Bon, on a développé la suite ici. On va développer maintenant Zelda 3. Et Yanemu's Adventure 3, clairement, parce qu'il n'y a pas de respect. Alors, attends, pause. Donc, on va se prendre du crédit dans la gueule, voilà. On va faire donc Zelda 3 maintenant. Zelda 3, donc en B+, toujours. RPG, aventure, dragon, l'engine, le dernier, bien entendu. Les plateformes, donc les trois qu'on a ici, sont pas trop mal, ma foi. Voilà. Protection, naturellement. On va aller mettre un peu plus de graphisme, un peu moins d'atmosphère comme ça. Voilà, je pense que comme ça doit être bon, doit être mieux peut-être. On va faire un pari risqué, les gars. On va privilégier le gameplay. 9 sur 10 et on lance le développement. Voilà. Il n'y a pas de respect. Attends, on peut rembourser un petit peu de crédit. Hein, histoire de ne pas payer trop de dettes non plus. Hein. Voilà, le jeu nous aura coûté 431 000 dollars. On aura perdu 130 000 dollars. C'est bien. On est mal. On est très très mal, les gars. On est très très mal. Les bugs s'enchaînent. Hein. Est-ce qu'on a des lettres de fans? Ouais. Pour des joueurs assidus. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Zelda 3, ça va être pour les joueurs un peu moins assidus, les gars. N'empêche, le jeu est super compliqué. Hein. Là maintenant, on sent qu'il y a de la difficulté. On sent vraiment qu'il y a des difficultés. Mais je pense qu'il faut que je privilégie le gameplay en fait. Ok. Ouais, on est à moins 150 000 les gars. On est juste à moins 150 000. Bon là on a tout perdu de toute façon, comme d'hab. On a tellement de dettes. Tellement endetté les gars, tellement endetté. Le nombre de bugs est juste en train d'exploser. Purement et simplement. Ah, ça me coûte 30 000 chaque fois, ça. Oh, merci. Tu soulages un peu ma dette, mon ami. Allez, release the game. En espérant qu'il y ait un 2 étoiles, non. Aïe. Bon, on va retourner chez Blue Ocean. Le son est assez bon, la prise en main est un peu jouée de nombreuses faiblesses. Il arrive à 48% quand même. Des contrats les gars, des contrats. Ouais, du contrat les gars, il faut du contrat là. On va mettre à jour Zelda uniquement sur de la correction de bugs. Et un petit patch de sécurité. Parce qu'il n'y a pas de respect. Voilà, moins 22 bugs. Uniquement la correction bug, ça coûte pas trop cher. Voyez. Y a-t-il du contrat? Non, toujours pas de contrat. Allez, on corrige les bugs les gars, on corrige un petit peu plus les bugs. On en descend en dessous des 50 bugs. Voilà.
On lance quelques updates comme ça de correction de bug. Merci pour les 50 000, ça me soulage. Merci pour les 80 000, ça me soulage. Ok. De la correction de bug principalement, uniquement. Et on va s'arrêter là, voilà. On perd encore 150 000, mais je pense que... Alors, attends. J'ai reçu apparemment une lettre de fan. On va lire ça de suite. Durée de vie de jeu plus élevée. Ok. Eh les gars, c'est difficile, hein. Prends-moi le son 8 bits, s'il te plaît, toi. Y a-t-il du contrat? Non. Oh, merci. On redescend dans le crédit, ce qui est bien. Ce qui est bien, parce que là, on paye vraiment trop cher, hein. Regardez combien ça me coûte. 23 000 $ par mois. Là, ça veut dire que ça va me coûter 23 000 $, voilà. Donc là, le moindre petit contrat que je trouve, je saute dessus, purement et simplement. Le jeu va peut-être être rentable, enfin un jeu rentable. Il était temps, moi je vous le dis, il était temps. Non, on participe pas les gars, on n'a pas les moyens. Merci! Pas de contrat pour l'instant en vue, il nous faudra absolument des contrats les gars. Là le but du jeu maintenant c'est rembourser l'emprunt, hein. Toujours pas de contrat. On est mal, je vous le dis les gars, on est mal. Bon, le son 8 bits est fait, ok. On va prendre le parallax scrolling maintenant, une technologie qui coûte cher mais on en a besoin pour développer le nouveau terrain. Et le jeu il est rentable mais c'est tellement ridicule quoi. C'est tellement ridicule. Oh là là. Merci pour l'argent, j'en ai besoin. Toujours pas de contrat. On va bientôt développer le nouveau moteur de jeu en fait les gars, j'attends juste ça. Ah, un petit contrat. Oh. Ça fait toujours 10 000 $ les gars, ça fait toujours 10 000 $. On n'est pas riche pour l'instant, d'accord. On va voir le hit parade un petit peu. Ah, on est loin quoi. Zelda 3 arrive en 15e position. Vous avez vu le premier là, The Red Hole. Sans déconner quoi. Là je suis à vitesse maximale hein, pour essayer de faire accélérer ça. Là pour l'instant le but du jeu c'est survivre. Le but du jeu c'est survivre. En attendant de pouvoir développer le nouveau moteur. Oh, on s'en fout. Je fais pas d'autre jeu parce que sinon j'ai m'endetté encore davantage et c'est pas dit que j'arrive à faire quelque chose de bien. La PCX. Oh, ils sont géniaux sans déconner. Écrire une histoire, on est capable de le faire les gars. Une belle histoire. Yes, le parallax scrolling. Dans les technologies, on a joué avec la souris qu'on va lancer juste. Alors, on va s'endetter. Voilà, on va développer notre nouveau moteur de jeu. Qu'on va appeler RPG 5. Alors, le scrolling, on n'en a pas besoin parce qu'on a le parallax scrolling. Le son 8 bits, donc on n'a pas besoin de ça, mais bon, on peut pas le prendre. Ça et ça, on va le supprimer, ce qui va nous alléger un petit peu les coûts. Ensuite, il y a quoi qu'on peut enlever? Moteur 3D, par multi-écran splitté, ok. Après le reste, on en a besoin, hein. Ok. Naturellement, on vend le moteur, 50 000 et 50%, maintenant il n'y a plus de respect. On va le mettre d'ailleurs à 30 000 et 50%. Et on lance le développement. On lance. Ah, optimiser pour RPG et on lance. Voilà. Ah oui, forcément, si j'optimise pas le truc pour quelque chose. Hop là, repaye directement, ça nous permettra de payer moins d'intérêt, mais on va s'endetter à mort. On va tomber dans le négatif encore. Alors on paye actuellement 40 000 $ de salaire et d'intérêt par mois. On a juste pas les moyens. Ah, c'est malin, tu me sors ça maintenant.
Et on va devoir s'endetter à mort, les gars, pour développer notre nouveau jeu. Donc, y a-t-il des contrats? Oui, on va faire les contrats en vitesse rapide. Y a plus de contrats, on est dans la merde. On est dans la mouise, les gars, on est dans la mouise. Alors, on va développer une suite. On va prendre Sonic Boom. On va l'appeler Sonic tout court. Ça, il se met plus, naturellement. Hein. Bah, j'ai pas de sous, attendez. Allez, hop, là, on monte à 2,25 millions de crédits, les gars. Non, on va le faire... Ah, zut. On va le faire en nouveau jeu, les gars. Voilà. Allez, on développe Sonic. Alors, RPG aventure. Le thème donc, Sonic c'est les pirates. Les pirates. L'engine, celui-là. Ok. Suivant, plateforme. Alors, on va acheter les dev kits qu'il faut. Elle marche bien, le Pelmuck aussi. On va prendre le Pelmuck parce qu'il n'y a pas de respect. Donc, PC. Ça et Apple. Voilà. Vous voulez plus de durée de vie. On va laisser ça comme ça. La protection, donc on va acheter une nouvelle protection tant qu'on y est. On dépasse le budget, mais c'est pas grave. Voilà, uniquement en anglais parce qu'on a plus trop de sous. On va supprimer une technologie pour retomber dans le budget. On va supprimer le multi-écran splitté. On en a pas besoin. On va supprimer le multi-écran splitté, on en a pas besoin. Et on lance le développement, voilà. On est tellement endetté à mort que là, les gars, si on réussit pas, on est mal. On est tellement mal. D'avoir un petit peu mes moteurs, comme ils m'ont rapporté. Bon, lui, il est plus du tout utilisé. Donc on va le supprimer. Non, on va le garder. RPG 2 est encore utilisé, on dirait. RPG 3 n'a pas beaucoup gagné. Lui, là, bah, normal, on va le mettre d'ailleurs à 15 000. Un prix d'appel très faible. Avec 40% des bénéfices, voilà. Parce qu'on est gourmand. Bien sûr, ouais. Merci, mon ami. Est-ce que j'ai assez pour développer une technologie? Non. 55 000, les avancées. La musique 8 bits qui tombe en même temps que les crédits, donc forcément ça fait super chaud. Ok, la musique 8 qui va être tirée. Merci pour l'argent mon ami, j'en ai vraiment besoin. Vous voyez, c'est RPG 2 qui est encore utilisé. Oh les bugs qu'il y a quoi, les bugs les gars, les bugs. On n'arrive vraiment pas à remonter la pente pour l'instant les gars. Oh merci, merci. Ok, ok. Oh mais c'est bug quoi, c'est bug qui nous pollue complètement le jeu quoi. Nous avons des cafards les gars, il y a des cafards dans le bureau. C'est pas nous mais ça on le savait déjà. Tant qu'on a un tout petit peu d'argent encore, on va développer ça. Oh là, c'est l'enfer là, c'est l'enfer là, les gars. Là, il n'y a pas de respect, c'est l'enfer. Hein. Les bugs. Des bugs de malade, les gars, des bugs de malade. Bon, on est plutôt pas mal. Toujours pas de 3-2-2 étoiles en vue, mais c'est pas grave. On a notre éditeur à 7$ ici. Ok, ok.
Ok, 49%, bonne combinaison de genre, les bons graphismes, ma foi, pourquoi pas. Alors maintenant par contre vous allez mettre à jour immédiatement, donc d'abord vous allez faire un petit contrat. Il y en a un, voilà, oui. Mettre à jour ça pour de la correction de bugs les gars, parce que là les bugs c'est juste pas possible. Ils vont bien, ils vont bien, ils vont bien, mais faut absolument arriver à corriger les bugs là, parce qu'il y a trop de bugs. Et on va faire que ça, il a lancé une campagne marketing pour mon jeu, ça fait plaisir. Allez, on corrige les bugs, on corrige les bugs, on corrige les bugs les gars. On corrige les bugs absolument. La musique 8-bit qui est arrivée, encore de la correction de bugs. Mettre un patch un peu plus gros ce coup-ci avec de nouveaux scénars. Non, ça coûte trop cher. C'est trop cher. On est bien là, on est bien, on est bien. Plus d'armoire, allez vous faire voir les gars. La campagne marketing fait du bien, la campagne marketing fait beaucoup de bien. 55 000 il faut. On va pas y arriver, si. Le patch est terminé, ok, ok, bien. Pause. Tout le monde dégage les gars, tout le monde dégage. On va faire quelque chose, on va changer un tout petit truc les gars. On va... Ouais. Ouais. On va essayer de faire quelque chose d'un petit peu spécial, les gars. Parce qu'il nous le faut absolument. On réaménage un petit peu nos bureaux, les gars, parce que là, il y a un problème, en fait. Trop de bugs tue le bug. Trop de bugs tue le bug, les gars. Donc là, il y a trop de bugs. Il faut absolument faire quelque chose. Donc mes bonhommes seront privés de système son. Tant pis pour eux. Mais là maintenant il faut absolument arriver à corriger ça. Je peux pas en caser deux, t'es sérieux? Je peux pas en caser deux, zut. C'est zut ça, mais bon c'est pas grave, au moins ici il sera tranquille. On va lui mettre un petit radiateur du coup à lui parce qu'il n'y a pas de respect. Voilà. Une poubelle. Une plante. Il aura le photocopieur. Le petit ventilateur rien que pour lui. Et la lumière rien que pour lui également. Voilà. Pourquoi je fais ça les gars? Parce que ben, la correction bug c'est ce qui me pose problème. Alors ensuite, on va regarder un petit peu les compétences de tous. Donc lui, il est encore très compétent pour l'instant. On va cacher, on va enlever ça, on va cacher les murs les gars, merci. Et cacher les icônes aussi. Alors, Yanamu, 35, 38, 37, 37. Il est bon. Il n'y a plus qu'on fait du RPG en plus. Lui, 28, 48, 30, 27. Alors on va prendre elle à la place. Ensuite elle, 26, 25, 51, 26.
à prendre lui à la place. Et lui, ma foi, il est pas mauvais. Voilà. Pourquoi est-ce que j'ai créé un nouveau bureau? Vous devez vous poser la question. Vous le verrez par la suite. On va leur mettre un chiotte. Tout le confort comme d'habitude, les gars. Hein. Voilà. Vous allez voir ça par la suite avec le prochain jeu que je vais développer. Il y a du contrat? Non. Bon. Il est temps de s'endetter à mort. Va-t'en toi, va-t'en toi. Ah, j'ai un truc là. Merci, j'ai réussi à mettre en pause, ouais, on dirait. Ça, chaque fois qu'il y a un abonné qui arrive, ça arrive en bas à droite, là aussi qu'il y a le pause, etc. Quoi. Non mais attendez les gars. Alors, on va développer une suite. Donc là on a développé Sonic, ok. On va faire Yanamuse Adventure 3. Aventure RPG médiévale avec notre nouvelle engine. Pardon, ça c'est ma scala tectonique qui se casse la gueule. En B+, naturellement. Donc les plateformes, les trois qu'on a usuellement. Voilà. Ok. Un peu plus de durée de jeu. Plus de fonctionnement. Plus de graphisme. Plus pour les gamers occasionnels. Voilà. La protection, je sais qu'il y a une nouvelle qui est sortie. Voilà. Ça c'était pas mauvais, mais je pense qu'on va pouvoir faire ça et ça maintenant, et même ça et ça. 10 sur 10, c'est parfait. Et on lance le développement. Alors maintenant que j'ai mon petit bureau, toi tu vas venir ici et tu vas me mettre Improve Gameplay. Tu vas prendre celui-là et tu vas y mettre de la performance. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de respect. Bon, il est un peu tout seul, donc forcément, il va galérer à mort. Hein. Mais logiquement, ça devrait être mieux. Je dis bien logiquement. Je dis bien logiquement. Bon, c'est bien, Sonic a bien rapporté. Ça fait plaisir. Franchement, ça fait bien plaisir. Même bien, bien, bien plaisir. Ça aussi, ça fait plaisir. Clairement. Ah, on vend le moteur. Paf! On a des sous qui tombent. Ça, ça fait même très, 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 très plaisir. Hein. Y a pas de respect. Alors, je suis en accéléré max, hein, les gars. Ouais, bon. Coup de dev, d'accord. Ok. Vous voyez, ça permet d'ajouter des trucs donc au jeu et apparemment donc les rendre meilleurs. Donc, cette salle, c'est juste une obligation, je pense, pour réussir. Et on va essayer de faire un bon jeu. Merci pour l'argent, mon ami. J'en avais justement grandement besoin parce que je suis un petit peu fauché. Ok, c'est pas nous, on s'en moque. Ok. Une fois qu'il aura fini ça, il va faire autre chose. Je pense que vous le savez déjà. Hein. Ok, vous avez vu, les gars, le gameplay, comme il est monté? Remove bug, voilà. Merci pour l'argent, j'en ai grandement besoin. Et là maintenant on va supprimer tous les bugs en fait. Oh merci à Koei. La Super X, oh yeah. Et là on fait Relay the game later. Vous voyez, donc déjà on est bon en graphisme, on est bon partout. Et là, en fait, je vais attendre qu'il corrige tous les bugs. Tout simplement. IA avancé, ok. Ah ouais, lui, il progresse bien quand il est tout seul. Hein. Vous avez vu ça un peu? C'est hallucinant, n'empêche. C'est comme une salle de formation géante, la recherche, en fait. Mais pour l'instant, j'ai pas cliqué dessus. Les cinématiques sont disponibles, on s'en moque.
Là, on va attendre de corriger tous les bugs, les gars. Tous les bugs, je veux tous les corriger. Bon, il est tout seul, donc c'est lent, forcément, hein. Je crois qu'il va être temps de réaliser le game, les gars. D'accord, on va passer en dessous des 30 bugs, je pense. Enfin, j'espère, hein, pouvoir l'atteindre. Ok, ok. Pour l'instant, ça nous coûte de l'argent. Bon, c'est bien. Heureusement, on a les ventes de moteurs qui, du coup, nous rapportent... Et également, je peux attendre comme ça, vous voyez, quand est-ce que je peux le publier, le truc. Bon, là, ils sont gelés, donc ils veulent des radiateurs, mais ils vont se faire voir, les radiateurs. On va leur en mettre un histoire d'eux, qu'ils arrêtent de nous embêter. Ah, ils nous donnent une notable à notre monnaie, d'accord. On est tellement dans la panade financièrement parlant. C'est pas ça que je veux. Alors on va se dégager de là par contre, c'est ça. Mes jeux. Il n'y a pas beaucoup de lettres de fans quand même. Mais on commence à avoir quelques petits fans, ma foi. Bon là il va être temps de réaliser le game. Hein. Je vais pas pouvoir l'attendre plus longtemps. Si maintenant je peux attendre plus longtemps. On va remettre les bugs à zéro. Ok, merci. En espérant que ce soit une réussite, parce que moins c'est de bugs, je pense, plus l'éditeur sera intéressé. Donc on va essayer de faire un jeu sans bug. On s'en moque. Ah oui, on perd du temps les gars, on perd du temps là. Mais c'est nécessaire. Allez, on release le game. On va trouver un éditeur en espérant qu'on ait 2 étoiles. Ah, mais purée, mais qu'est-ce qu'il leur faut quoi? On a un super jeu qui est pas bugué ni rien et ils veulent pas quoi. Allez, Blue Ocean, c'est ceux qui payent le mieux. Ok. Eh, on arrive quand même à 59% les gars. 59%. All bugs were successful removed, you can now assign a new task to assurance. Ok. Ok, merci. Et lui, il a gagné un petit peu en game design. Voilà. Forcément, on a sorti notre jeu au mauvais moment. Hein. Toi, tu reviens là. Alors, y a-t-il des contrats en attendant, les gars? Des contrats, des contrats, du contrat. Oui, on veut du contrat, là, parce qu'on a une vitesse rapide, hein, toujours. Hein. On veut du contrat, mais Gravius, Gravissus, Gravissus Maxus... Pour essayer de remonter la pente, en espérant que le jeu se vende. Peut-être une mise à jour sur le jeu. On n'a plus de bugs, donc ça c'est bien. Un petit patch de sécurité de nouveau mode, ça coûte 30 000, ça prolonge la durée de vie. Allez, on lance le développement. Voilà, plus 8 comme ça, ok. La Neo Station, yeah. Il n'y a pas de contrat, mais là le truc c'est qu'il me faudra absolument déménager parce que... J'ai pas assez de place. Clairement, j'ai vraiment pas assez de place. Donc là, il me faut arriver à trouver les finances pour déménager. J'ai 2,5 millions de crédit. Je peux encore avoir 3 millions de plus, vous me direz. Merci mon ami, tu me soulages tu m'enlèves une épine du pied. Je pense qu'on va essayer de prendre les vieux bureaux à 400 000. Hein, en espérant que ce jeu continue à se vendre. Hein. Les technologies, on est complètement à la bourre. Hein. Mais je crois que là, maintenant, il est temps de déménager. Allez, on va déménager les gars. On prend 3,2 millions de crédits, les gars, on met en pause et on va déménager. Mais ce déménagement, parce que je suis un vieux sac, hein, voilà, vous le savez, hein, ça sera pour le prochain épisode. Et ouais, ouais, je suis comme ça, moi je suis comme ça. Donc merci à tous d'avoir regardé le lancement de Yanemus Adventure 3, hein, alias le 3e épisode de Mad Game Tycoon. Pensez naturellement pouce vert, commentaire, pouce pas vert, bref, tout ce que vous voulez en dessous de la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour le nouvel épisode. Allez, ciao, ciao, les gens.